forum économique s'articule autour de trois piliers importants. Celui de la recherche de nouveaux partenariats, celui de la création de nouveaux emplois avec de nouvelles compétences, donc la formation, et celui d'une meilleure inclusion entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Le rôle que joue le Maroc sur le continent africain a démontré à nos partenaires français que nous sommes un partenaire fiable et un partenaire qui avance à un rythme de dynamique. Les attentes des entreprises françaises, c'est de savoir comment on peut, ensemble avec les entreprises marocaines, se développer au Maroc, sur le reste de l'Afrique et pourquoi pas en France. Nous avons des liens très anciens avec les entreprises marocaines. Nous devons les faire fructifier davantage. Nous y sommes prêts. Nos collègues marocains, on les connaît depuis très très longtemps. Maintenant, on va plus sur de l'innovation, on va plus sur de la transformation dans le domaine agricole, dans le domaine industriel. Ce forum franco-marocain est très important. Il est co-organisé par le MEDEF à Paris et par la CGEM ici au Maroc. Et il y a deux mots d'ordre de ce forum. La colocalisation, c'est vraiment que les investisseurs marocains investissent en France et au Maroc et que les investisseurs français investissent en France et au Maroc. Premier mot d'ordre, colocalisation. Deuxième mot d'ordre, l'investissement ensemble en Afrique avec des banquiers et français et marocains, et que nous travaillons ensemble sur les secteurs du numérique, de l'agroalimentaire et d'une façon générale des infrastructures. Cet atelier va accompagner la réflexion pour trouver les meilleurs moyens de mobiliser les PME, les start-up françaises, les PME, les start-up marocaines et africaines en général pour justement offrir des opportunités dans le développement du co-investissement au niveau du continent africain.